Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, comme promis, Diamond Painting aujourd'hui. Voilà, j'ai terminé La Femme et le Papillon aujourd'hui. Bon, ça faisait quelques jours que je n'avais pas fait, que je n'avais pas pu le faire. Because coloriage, because d'autres choses. Oh, ce pull va commencer à m'énerver. En plus, j'ai une sale tête parce qu'on a bougé des meubles aujourd'hui. Puis, du coup, quand on bouge des meubles, il faut nettoyer. Il faut faire la pièce qui était devant. Vous savez, celle où je vous ai fait le plan de tour. Voilà, où il y a toutes mes plantes. Parce que Chouchou commençait à se plaindre qu'il n'y avait plus accès à la fenêtre. Donc, j'ai dit, bah, c'est pas, hein, on va bouger le bahut. Oups, on va mettre les oiseaux à la place du bahut, et comme ça je pourrais mettre toutes mes plantes, enfin une grosse partie des plantes sur le bahut, et ça va dégager la fenêtre. Voilà, donc on a fait ça ce matin. Donc demain le dos il va être cassé parce qu'on a bougé les meubles sans les vider, hein. On les a pas vidés, on les a bougés tels quels, et du coup là une sale tête, voilà. Mais bon, ça ira. Je ne suis pas un concours de pin-up. Hein. Voilà. Donc, je disais... Oui, je disais qu'aujourd'hui, j'ai terminé le DP, donc La Femme et le Papillon. Voilà, j'ai adoré le faire. Il est super beau, très coloré, magnifique. Alors, celui-là ne sera pas encadré. Il est déjà découpé, mis dans mon grand carnet, mon grand bloc que je vous avais présenté, où je commence à coller les Diamond Painting dedans. Je vous remettrai d'ailleurs ici quelque part la vidéo pour où je vous présentais cette façon de faire, cette nouvelle façon de faire, de ranger mes Diamond Painting. Voilà, puisque là c'est un petit, enfin c'est un petit... il fait partie des 30-40, donc je peux le ranger dans ce carnet, ce grand carnet à croquis. Donc il est déjà rangé, collé, comme ça je suis tranquille. Là bon, je n'en redémarre pas tout de suite de grand comme ça, enfin de grand, de moyen comme ça. Pour l'instant, j'ai mes deux grands à terminer, mais je vais peut-être faire un petit entre deux qui aura très vite à faire. Mais pour l'instant, j'ai mes deux grands à terminer. Le DP anglais n'avance pas du tout. Lui, il n'avance pas du tout. Ah ben voilà, tiens, ça c'est ce que je cherchais tout à l'heure. Voilà. le DP anglais, je n'avance pas du tout dessus, donc faut que je m'y mette. Et j'ai le DP que je fais en duo avec Sylvie. Voilà, donc j'ai ces deux-là terminés et je n'en redémarrerai pas. J'arrive plus à parler. Je ne vais pas en redémarrer d'autres tant que ces deux-là ne sont pas terminés, à part des tout petits, 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 comme ça, que je ferai peut-être. Voilà. Sinon, voilà, c'est tout. On est le 13 février. Le concours s'arrête ce soir. Hein? Donc, à minuit, il sera trop tard pour participer au concours, je vous le rappelle. Le tirage au sort sera en ligne demain, donc je vais faire le tirage au sort demain. Donc on connaîtra le nom des trois gagnants. Ben, puis c'est tout, voilà.
Donc demain, ce sera la Saint-Valentin. Ça me permettra de vous souhaiter une bonne fête de Saint-Valentin. Voilà. Et de vous donner le nom des gagnants du concours. Donc ça, ce sera pour demain. Là, aujourd'hui, je vais vous laisser visionner cette petite vidéo pour voir la fin de ce DP. J'espère que ça vous plaira. Et comme d'habitude, je vous mets en barre d'infos le lien pour retrouver ce DP, s'il vous plaît, et le lien de la boutique. Donc, je vous rappelle que ce DP vient de la boutique A Diamond Painting. Voilà, c'est un DP que j'ai eu en partenariat avec eux. Donc, je les remercie encore une fois beaucoup. Et donc vous retrouvez donc tous les liens en barre d'infos. Allez, je vous laisse visionner cette vidéo. Je vous fais à tous plein de gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous bisous, bon visionnage.
Thank you.